Carbonneau, ouais. Carbonneau, on les a laissés patiner tout seuls ouais. Lors du début de l'échauffement. Bon match, mesdames, messieurs. On est en direct, on vous le rappelle, du centre Agnico Eagle à Val-d'Or. L'avantage numérique des Pharaons. 17-10 à faire en première période. Et pour l'instant, oh, il passe coupé. Primo, là, qui s'avance seul. Et voici tir et arrêt, oh, Boyer. Ouais. Un gros arrêt, là. Oui, gros arrêt pour... Et là, voici Éloi Bourdeau. Perd l'ondelle. Et voilà Alexandre Guy qui se présente tout seul devant le gardien. Le tir arrêt du gardien. Encore une fois, là, Cloutier qui... Donc, peut-être un adversaire qui un peu blessé qui s'amène ici. Et ce qui n'aide pas, justement, c'est que leur gardien numéro 1 est avec l'équipe Canada Junior. Et là, le tir... Et le but! Une belle entrée de zone des Foreurs. Et après deux arrêts... Je pense que c'est Nathan Berry qui est celui qui loge la rondelle dans le filet à la troisième occasion. Un jeu de puissance beaucoup plus convaincant que le premier. On avait déjà obtenu une coupe de chance lors de la première minute. On voit l'entrée de zone rapide des Foreurs. Remet sur la gauche. On lui redonne le disque. Et c'est entrée de zone là, du côté des Foreurs. Alexandre Guy. Lui, ça remet. Et là, encore une fois, une cage béante. Et le but! Ça ressemblait étrangement au premier but. Effectivement. Entrée de zone, on prend un tir sur le gardien Cloutier. Le retour est juteux. Cette fois-ci, ça n'a pas pris trois lancers, ça en a pris deux seulement. Philippe Veilleux, le jeune homme de 16 ans qui va d'un revers. Et la rondelle qui avait des yeux, Cloutier avait réussi son déplacement. Ouais. Et la rondelle l'a glissé sous sa jambière. La rondelle pour faire effectuer une sortie de zone et on rejette tout simplement du côté de faire Primo. Une minute à faire en première période. Primo tire. Ah, le but! Oh, un but qui arrive un peu de nulle part. On va donner le crédit à l'attaquant du Phoenix. Tout un tir, partie supérieure, par-dessus l'épaule d'Émile Beaunoyer. Ça, ça redonne espoir à Sherbrooke en fin de période. On va voir la séquence. Donc, Sherbrooke qui récupère la rondelle. L'effort individuel s'amène, cercle de mise en jeu. Attention. Passe à Veilleux dans le coin. On remet à la pointe. Un tir sur réception. Il s'est dévié. Et le but! Ah oui, pas beaucoup d'angle là-dessus. Thomas Larouche. Qui profite du retour à nouveau. Les Foreurs, pour la troisième fois ce soir, profitent d'un retour de l'autre côté du filet accordé par le gardien de but Cloutier. Tente de faire bouger les joueurs des Foreurs. Passe en enclave, ça a été bloqué. Là, c'est Veilleux qui reprend. Veilleux entre sur la droite. Flanqué de Potvin. Veilleux qui coupe à gauche, tire. Arrête du gardien Cloutier. Et finalement, il l'étend. Brisson s'avance. À la bouchure du filet. Premier Brisson. Encore une fois, drapeau. On s'échange le disque là, autour du carré du Phoenix. Veilleux qui va d'un tir. Arrêt de côté. Et là, la rondelle, on t'a tenté de faire dévier. Est-ce que... Ah non! C'est Thomas Larouche. Tantôt, il n'y avait pas d'angle, mais là, il n'y avait vraiment pas d'angle. Mais ça a failli fonctionner pareil. En fait, il a essayé de faire dévier la rondelle sur le défenseur du Phoenix, mais ça a presque réussi. Ouais. Avec tout ça, une minute d'écoulée. Bleu remet du côté de Veilleux. Pense Guy qui récupère au cercle gauche. Va remettre à Veilleux à la pointe. Guy au cercle, encore une fois. Guy, un tir. Et but! Un 15e cette saison pour Alexandre Guy. Il enfile l'aiguille. Je pense qu'il a surpris le gardien là-dessus. Oui, vraiment. Parce que la rondelle est passante, les jambières de Cloutier, il ne s'attendait pas à ce tir. Il avait l'air de quelqu'un qui ressemblait, qui regardait pour une passe, Alexandre Guy, avait la tête haute et finalement, en se retournant... De cet âge-là. Ils ont juste remporté par les Foreurs. Oh, il passe coupé. Et ça permet à Israël Mianskoub de couper au filet. Et le but! Ah oui. Voilà. Oh! On a vu le talent d'Israël Mianskoub là-dessus. Il a servi toute une belle feinte à Émile Beaunoyer pour le déjouer. Fait 4-2. On voit la séquence. Donc, rondelle perdue. Les beaux gens défensifs pour commencer. Oui, et par la suite, Beaunoyer. Un match, 4-2. L'action qui a repris. Mianskoub, justement, remet. Tiens, hey, le but! Et là, 4-3. Ouch! Les Foreurs qui semblaient en contrôle, et là, en 5-6 secondes à peine. Alors voilà, première question. Mise en jeu. On entre dans le territoire, c'est Mianskoub. Repère Primo qui va d'un deuxième ce soir. Un bon tir. Est-ce que. Qui voyait bien le disque. La pointe qui retourne. Qui reprend la rondelle, mais la paire. Et là, ça permet une incursion. Et voici Veilleux. Ah oui! Quel match, Philippe Veilleux!
Il était déjà l'un des meilleurs foreurs ce soir. Et là, vient de compter un gros but. On va donner crédit à Frédéric Poitvin pour la passe là-dessus sur le 2 contre 1, mais écoutez, il a seulement 16 ans, Philippe Veilleux. Et il a des mains comme ça. Veilleux là, qui réussit à remettre du côté de Drapeau. Drapeau à Guy. Guy à la ligne bleue. Réussit à remettre à Drapeau. Drapeau de l'autre côté en haut cercle à Veilleux. Veilleux. Transversal à Guy. Il tient le but! 5-8. Incroyable. Et un autre but qui n'est pas sans rappeler un certain numéro 8 à une certaine époque avec les Pharaons. Oui, effectivement. On voit les Pharaons qui s'échangent bien la rondelle. Et Guy, qui est allé nature sur réception là-dessus. Les joues de Meunier. 2 points ce soir. Mais là, il va plus penser à son expulsion, je pense. Pendant ce temps, ben Veilleux là, qui entre en zone adverse, perce la défensive, il s'avance seul. Il va donner le but! Wow! Quelle paire de mains! Et là, on s'amuse chez les Foreurs. Quel but de Philippe Veilleux! Lui, ça lui a pris du temps à compter son premier cette année. Il avait beaucoup de passes dans l'ordre des 10 premiers matchs. Mais là, ça c'est en train de débloquer. Et là, il est passé dans la défensive un peu comme un couteau chaud dans du beurre. Et la rondelle qui revient à Lagacé à la pointe. Lagacé. Jamais du rocher à Lagacé. Un tir. Et but! Est-ce que ça a été dévié? Peut-être. Un 8e pour les Foreurs ce soir. Ça se poursuit. 7e but en avantage numérique. J'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Ça va. Je sais pas c'est quoi le record. J'ai aucune idée, mais on voit la dernière séquence. Donc, le tir de Lagacé. Et je m'en rappelle. Finalement, l'ont emporté 6-5 sur un but de Timo Maier en prolongation. Pendant l'ensemble, c'est Dubois qui remet du côté de Bell Chamber. Et là, on organise. Ah, et le but! Oui, partie supérieure. On a quand même des mains là, chez certains attaquants du Phoenix. On l'a vu ce soir. Et Louis-Alex Tremblay, donc, qui enfile l'aiguille. Oui, ça Tremblay, je pense que c'est leur choix de première ronde l'an dernier. Brisson dans le coin de la patinoire. Mais on maintient la pression chez les Foreurs. Barry, derrière le filet. Barry, auteur de 2 buts ce soir, cet après-midi. Et là, ben, on réussit à reprendre la rondelle. Brisson tire. Oui. Et le but! Ah oh oui. Quand on vous le dit, l'importance de temporiser, d'éviter le retour, c'est exactement ce qu'on a fait à nouveau. Et ça, c'est toute une garde-note, excusez-moi l'expression. C'est une précision mortelle parce que j'étais pas sûr que la rondelle avait pénétré dans le filet. Même l'arbitre n'était pas sûr non plus sur le coup. La rondelle qui s'en va trembler. Un tir. Arrête Beaunoyer qui fait dévier sur sa droite. L'autre récupéré par Barry. Barry qui rejette sur l'autre aile. C'est intercepté par Tremblay. Tremblay va le tirer. Il la donne en clave et il a tiré le but. Oui. La rondelle qui a fait quelques bons là, pour se retrouver sur le bâton de Louis Gendron. Oui, revirement en territoire des Foreurs. 5e but accordé ce soir. On voit la séquence. Donc, un premier tir. Ça touche un défenseur. Ça fait un peu de machine à boules dans le territoire. Ça s'est promené rapidement. Je ne vous ferai pas le sommaire but par but à la fin du match parce que je vais manquer de souffle. Et pendant ce temps-là, ben, ça se poursuit. Primo, il va le tirer encore une fois le but. Il a 9 à 6. Il va falloir être sérieux chez les Foreurs. Là, il va y avoir du brasse camarade parce que justement, Gendron, l'auteur du 5e but qui s'est fait bousculer. Les Foreurs qui ont seulement une pénalité, on vous l'a dit. Et là, je pense qu'on vient dans... On vient d'en appeler une deuxième. Et c'est remporté par le Phoenix. Misanger qui était à la gauche d'Émile Beaunoyer. Et la passe dans l'enclave et... Oh, un tir et ça a été dévié au tout dernier moment. Et la rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur. Heureusement pour le vert et or. Ouais, ça venait vraiment pour sauter sur une rondelle libre qui était juteuse devant. Lagacé, un tir. C'était bloqué là, par Lemonnier qui a laissé un retour. Et avec tout ça, ben, il reste moins d'une minute à faire en troisième. Et là, on a tenté. On tente d'y aller pour un dixième. Et le voilà! Ah, Barry! Complète son tour du chapeau. Donc, on a 3 tours du chapeau, finalement. Oui, voilà. Et on voit une casquette sur la patinoire. Et
Il reste 4 secondes. Pendant qu'on confirme le but de Barry, ouais. Son troisième ce soir de Potvin et Brisson qui complète ce match pour les Foreurs. 10 buts.